Hello les enfants, comment ça va? Très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On y va au Quai Coral. Ah, au Quai Coral. En plus, en période de Halloween, ça va être très intéressant. Très intéressant, c'est trop bien. En plus, on va avoir des chevaux. Ah oui, on va avoir des chevaux. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Avance. Allez, Chichi, je te suis. On va faire la première attraction qui est le toboggan, la montagne sacrée. Allons-nous. Allez, Calissou. Comme ça. Non, 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 stop. Allez, Calissou. Qu'est-ce que tu fais de la musique? Allez, c'est parti, Calissou. Regarde là-bas. Bientôt le manège. Alors, on va faire s'amuser. Qu'est-ce que tu vas faire comme manège? Lama. Lama. Tu vas faire le lama? T'es contente? Oui. Oui? Il va très bien. Allez, ça va partir. C'est parti. Allez, c'est parti. Non, 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 non. Tu t'éclates? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire là comme activité? Le manège tournant. Le manège tournant. Ça s'appelle le Texas Boots. Et c'est parti. Chichi. Waouh, avec ta belle botte. Calissou. Calisse. Calissou. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau le crâne, Chichi. Et regarde-moi toutes ces décorations. On est dans un cimetière. Waouh. Trop bien. Et regardez-moi cette grosse sorcière. Ouhouhou. Et là, Chichi, regarde, le carbon cayonne. Regarde, Chichi. Oh.
Oh, c'est une mare de sang. Il y a des bateaux. Regardez-moi ça. C'est bien terrifiant, hein? Chichi, regarde la grosse citrouille. Alors là, on va faire un petit tour de manège avec une grosse abeille. Et là, on voit Chichi qui est là. Avec sa cousine Célia. Est-ce que tu es prête, Célia? Et toi, t'es prête? Oh oui! Ça va faire bzz, 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 bzz. Et Calissou, qui est ici. Alors, Calis, tu es prête à faire un petit tour avec une petite abeille? Bzz, c'est parti! Et là, un petit tour de manège pour Mimi. Ça va très doucement. Ma citrouille, Mimi. Avec Alice juste derrière. Et c'est juste trop mignon. Alors Calissou, qu'est-ce qu'on va faire là? On va regarder un spectacle. Un spectacle? De tu... cow-boy. Oh, de cow-boy. Et c'est parti! Ah, quel bonheur! Quelle chance, je dirais, d'avoir pu vivre l'épopée de l'Ouest américain. Je ne remercierai jamais assez le bon Dieu de m'avoir mis au monde à une période où l'homme allait faire ses premiers pas sur une terre inconnue qu'on appelle aujourd'hui le Far West. Ah, oh, j'ai vu des paysages fantastiques. J'ai croisé tout un tas de gens. Des shérifs, des hors-la-loi. Ah, ah, quelle vie. Tiens, ça me fait penser à l'époque où je fus le suppléant du shérif à Bruce McGrath. Je suis juste à côté. Et je peux vous dire que j'en ai pas large. McGrath était un ancien Yankee. Et comme tout bon nordiste, il détestait les gens du Sud. Justement, les Texans s'étaient installés dans la région. Enfin, voilà comment, méthodiquement, il s'est débarrassé d'eux. Salut les gars. Je suis shérif Bruce McGrath. Et voici mon adjoint Randall Price. Beaucoup de nos concitoyens se plaignent de votre comportement en ville. Inutile de vous dire que j'aurais jamais dû me marrer. Thank you.
gars, il y a un truc qui colle pas. La tige, genre, c'est lui. Le coffre, ça dit quoi? Rendez-moi le cocher. Viens là, toi. Tu peux me dire ce qui se passe ici? Ici James. Quid des fers, vous êtes en état d'arrestation. Rendez-vous. Et voilà,
voilà. Là, c'est Crazy Horse. Et Calissou que l'on voit ici, avec les cousines et Chichi, accompagné de sa grande cousine qui se trouve ici. Chichi! Et pendant ce temps-là, nous voyons Mimi déguisée en citrouille. Mimi! Vous devriez avoir peur. Quoi de plus naturel que de ressortir nos vieux livres d'épouvante? Je dirais plutôt un ouvrage appelé Les Chroniques d'Halloween. Oh,
monde a bien compris? Oui. Attention, on commence maintenant. 3, 4. Bloody Mary! Chichi! Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Elle est là! Regardez! Elle m'a posé un lap. Là! Regardez! Elle est là! Bloody Mary! Vous savez ce que dit la légende concernant la Dame Blanche? Est-ce que je vois un trou de derrière? On dit qu'elle se serait suicidée dans sa salle de bain, victime d'infidélité. Donc si elle apparaît aujourd'hui, c'est qu'il y en a ici, messieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y aurait potentiellement des reproches à se faire. Si Bloody Mary vous pointe du doigt, c'est que vous êtes concerné. Alors, j'ai l'impression, monsieur, oui, vous avec les lunettes, j'ai l'impression qu'elle vous toise du regard expressément et intensément. Monsieur, c'est votre épreuve. Maintenant, au-dessus de vos têtes, les monstres, sous un tonnerre d'applaudissements, bien sûr! Bloody Mary, qui vous a fait découvrir tous ces rapaces qui l'accompagnent et qui lui dicte le bon chemin à suivre dans l'au-delà. Mais, il faut que vous sachiez une chose, c'est que suite à ce rendez-vous annuel démoniaque, les protagonistes sentirent une présence humaine. Que désires-tu que je fasse? Comment? Que dis-tu? Ces hommes sont venus pour s'en prendre à toi, Satan, mon grand maître? Ne bouge surtout pas, vieux fou. Si vous tirez, vos enveloppes charnelles quitteront cette terre et peut-être rejoindrez-vous alors notre confrérie, qui sait? On n'est pas du même camp, l'ami. Notre truc, c'est d'envoyer les buveurs de sang en enfer. Ah oui, j'adore l'enfer. J'espère que vous n'avez pas fait l'erreur de charger vos armes avec de simples munitions.
On travaille qu'avec de l'argent massif, vieil homme. Alors, qu'attendez-vous pour le tirer? Les enfants, vous venez d'assister aux chroniques d'Halloween. Des histoires qui se perpétuent de génération en génération à travers ce grimoire et qui se referment aujourd'hui à une seule condition. À une seule condition. Applaudissements du public, bien sûr! Thank you.
Messieurs les enfants, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et surtout abonnez-vous. Kalissou et Chichi, alors comment vous avez aimé Hockey Choral? Très bien. C'était effrayant? Oui, très effrayant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout abonnez-vous.